Hello tout le monde, c'est Simbalodé. Aujourd'hui, on se retrouve sur Spyro Reignité Trilogy. Et je suis avec Vador2509. Comment vas-tu, amigo? Eh bien, salut à tous, les amis. Oui, ça va super, hein. Je suis content d'être sur ce jeu. Ça faisait un petit moment qu'on a peu fait de vidéos ensemble, en plus. Ah ouais, un grand moment, moi. Et donc, on est parti pour enfin l'épisode 7. Donc voilà, on était à la fin du jeu pour le boss. Donc voilà, alors bien sûr je suis sur mon nouveau PC, donc c'était compliqué d'essayer de le faire tourner pour jouer avec Vador. Donc vous voyez, peut-être vous avez remarqué, il y a des petits ralentissements, mais ça c'est normal parce qu'avec PASSEC et tout ça, donc pour l'instant j'ai fait le mieux. Il y a quand même des bugs aussi un peu, mais bon. Ouais, mais j'ai fait de mon mieux pour essayer de le jouer plus possible, donc c'est le plus mieux que je peux le dire. Donc bon, tu es prêt à faire le boss? Regarde. Ouais. Vas-y, je suis prêt. Ouais, juste un truc, en fait on a réglé le problème de téléportation. En fait il faut que Vador appuie sur la touche Start pour se téléporter. Et même quand il saute ou il tombe, il pourra se téléporter vers moi. Donc maintenant on n'aura plus besoin de changer toujours de skin, enlever le mode joueur. Donc ouais, bon, tu es prêt? Allez, c'est parti. Ici. Ah, vous voyez, hop, il appuie sur la touche Start et là Vador s'est téléporté vers moi avant de retomber. Donc maintenant ce n'est plus un problème de téléportation. Maintenant en fait on savait pas. Enfin plutôt j'ai découvert juste il y a juste quelques temps. Donc on pouvait se téléporter avec la touche start. Enfin la touche pause sur la Magnetis Box. Alors n'oublie pas que c'est les gemmes, hein. N'oublie pas que j'essaie de terminer à 100% ce jeu. Donc il faut essayer de récupérer les gemmes. En tout il faut battre aussi le boss, hein, Nasty North. Non oui, il y a des ralentissements, mais ça c'est pas grave. De toute façon j'ai déjà joué tellement de jeux qui rame un peu. Vas-y, tu peux te téléporter. Voilà, hop, il s'est là. Allez, c'est parti. Ah, ok, ça commence déjà bien. Où le boss? Ouais, il est là. Ouais, il y a des ralentissements, je peux pas faire mieux. Faut le tuer. Ouais. Ah. Allô? Ouais, il faudra essayer de tuer. Il faudra une clé. De toute façon, j'essaie de récupérer les gemmes. Ah, ton... Ton libellule il est bleu maintenant. Ouais, parce que je me suis fait toucher. Ah, parce que je me suis fait toucher, c'est pour ça. On peut pas passer par là. Ah, je me suis pas encore touché. Mais il faut, je sais pas où aller. Ah, il faut aller par là. Ouais, mais c'est... Il me touche moi aussi ou quoi? Toi aussi il peut te toucher, ouais. Mais il t'attaque pas. L'ennemi il peut pas me... Ah, ah c'est bon, je l'ai eu. Ah, c'est vrai, le ralentissement c'est un peu gêné. Mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Alors bien sûr il faudra que je joue en 1080p parce que sinon ça rame à mort chez Vador. Parce que quand j'ai suivi sur ma résolution normale, et ben ça rame à mort pour Vador. Donc là je suis en 1080p sur mon ordinateur, mais bon, attends, ça rame toujours. Après c'est peut-être la connexion, hein. C'est la connexion, après Vador n'a pas la meilleure connexion, hein, parce qu'il n'est pas en câble. Alors pourtant j'ai la fibre, mais bon. Oui, il a la fibre mais il n'est pas en câble, donc la connexion, parce que passer qu'il faut avoir une grande connexion. Mais j'ai fait de mon mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'espère que ça vous gênera pas d'avoir maintenant des rames, parce que vous avez, parce qu'avant c'était pas. Bon. Allez hop. Elle est où la clé? J'ai plus la clé. Ah, mince. Allez, c'est là. Vas-y, faut passer par là. Ok. Faut passer par là. Et où? Je vais récupérer les gemmes après, j'aurai récupéré là. Voilà. Essaye de récupérer. Les gemmes, ouais, essaye de récupérer les gemmes quand même. Tu retournes en arrière. Pas la récupérer. Ah oui, parce qu'on a plus de. Ah oui, parce que c'est un bug du joueur 2. Parce que putain, on a plus Sparks. Parce que j'ai plus Sparks, donc tu peux pas les récupérer. C'est pour ça. Quelques mois qui peuvent récupérer. Ouais, parce que je me suis fait toucher 3 fois là. 2 fois là. Enfin, je me rappelle plus. Tu peux... Attends, lui, tu peux l'enlever? Non, c'est la santé, ah, en fait. C'est la santé, c'est pour ça. Ah, quand il y a plus de santé, il y est plus. Ouais. Bon, je vais essayer de pas me faire toucher là. En gros, c'est comme si maintenant. C'est comme si t'étais tout seul. Ouais. Voilà. Ah, il est parti. Allez. Ok, bon, il part. Wow! Ah, c'est vrai, à cause que ça rame, des fois, à cause que ça rame, d'un coup, je fais pas attention. Mais c'est le plus que je possible. Je suis vraiment désolé. Mais c'est mon nouveau PC, donc je l'apprends. Sinon, ça fait replaisir de jouer à ce jeu avec toi, Vador.
Ouais, super. Au moins terminer le Spyro 1, et si on termine le Spyro 1, quoi. Casser les coffres, t'as vu? Ouais. Il faut que tu sautes pour la récupérer sur ces gemmes là. Je sais pas si je peux. Parce qu'il faut être assez rapide, quoi. T'as dit quoi? Il faut être assez rapide. Ouais, c'est ça. Simba. Ouais, Vador. T'es là, Simba? Ouais, c'est celui-là. Ah, tu m'appelles toujours Vador? Bien sûr, Amigo. C'est ton costume, non? Bien sûr, toi aussi, tu peux le toucher. Ouais, toujours. Ouais, donc vas-y, profite pendant que je récupère les gemmes. Ah, t'es tombé. Ah, t'es tombé. Il est parti là-bas. Ouais, il est parti par là. Il est là, ce bâtard. Hop. Tu peux appuyer sur la touche Y pour annuler ton vol quand tu planes. C'est vrai. Wow, j'ai failli tomber. Ah, la plateforme. Oh. Ah, ça. Ah, je suis tombé. Bah la plateforme elle s'en va. Mort. On revient où? La fois. Oh, on recommence tout. Mon dieu. On recommence du début ou quoi? Ouais, on recommence du début. Bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est con ça. Ouais. Y'a pas de checkpoint. Ouais. Bon, au moins j'ai compris. Bah, après ça rame. C'est pour ça que ça empêche de jouer correctement. Regarde, je l'ai raté là. J'aurais eu si mon jeu ramenait pas quoi. Au moins les gemmes. Hop, voilà. Hop. Donc j'espère que je résoudrai ces problèmes de RAM. Content d'être en vidéo avec toi. Ouais, j'espère que je résoudrai ces problèmes de RAM. Ouais. De toute façon, je connais pas encore bien mon nouveau ordinateur. Wow, j'ai failli tomber. Ah là là, c'est RAM, c'est vrai. Sur l'émulateur PS3, j'arrive quand même à jouer quand ça rame, mais là, sur un jeu PC normal, quand ça rame comme ça. Ah, j'arrive pas à le toucher. Contourne-le pour voir. Va dans l'autre direction. Je suis pas assez rapide, mais à cause des RAM. Heureusement que je joue pas à ce jeu. Bah tu joues à ce jeu. Tu joues avec moi. Ouais, mais bon ça. Tout ça ce serait plus compliqué. Ouais voilà. Moi je sais pas si j'aurais réussi. Toi t'aurais pas réussi tout mais moi j'aurais réussi. Ouais. Allez c'est reparti. Il faut être assez rapide quoi. Ouais il faut être rapide. Là j'ai un autre copain à moi qui joue à ce jeu aussi. Ouais. Lequel? Attends, je peux pas me téléporter parce que... Ouais, vas-y, fais-moi ce que là, tu te téléporteras. Voilà, c'est bon, je suis allé assez rapide. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Adieu, Gnork. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Oh. J'ai eu toutes les gemmes aussi. Une cinématique? Ouais, c'est une des cinématiques. Adieu, Gnork. Lève-la, Spyro. Ouais. Désolé d'avoir mis si longtemps. Mais il parle, lui. Je vous avais un peu oublié. Et pour Gnasty Gnork. Gnasty Gnork. C'est la fin, là. Il est ouais. Cuit. À cause des rames, les cinématiques bug un peu aussi. Règne de nouveau au royaume des dragons. Dans l'ensemble, j'ai encore des trésors à retrouver. Mais j'ai joué tout seul à ce jeu aussi. Ensuite. On dit que on va pas écouter la cinématique. Ouais. Ah bah voilà les crédits quoi. Spyro. C'est fini là. J'espère qu'on peut passer les crédits hein. Ah oui c'est fini. Ouais. T'avais géré à ce jeu toi. Ah c'est bon, j'ai passé les crédits. On peut passer les crédits, c'est bon. L'aventure continue. Donc voilà. Donc c'est parti pour le niveau bonus mais tu vois. Il faut d'abord libérer le dragon là. T'as encore le jeu? Ouais, il y a encore un niveau en fait. C'est le dernier, n'est qu'un mauvais souvenir.
Alors, qu'a-t-on là-dedans? Je crois que c'est la salle du trésor de Gnasty. Mais la porte ne s'ouvrira que si tu as tout trouvé dans le royaume des dragons. Reviens quand tu auras atteint 100%. Bah voilà. Et là, on dirait... 100%. Bah le jeu à 100%, voilà. Et puisque le jeu à 100%, voilà, j'ai le jeu, on a le jeu à 100%. Donc voilà, le niveau s'est ouvert. Bon, tu es prêt? Ça sera le dernier niveau du jeu, quoi, du Spyro 1, quoi. C'est parti. C'est le tout dernier, là? Ouais, c'est le tout dernier niveau. Bon, enfin, c'est le niveau bonus, quoi. Alors là, ce que j'ai entendu parler, c'est que Spyro pourra voler. Donc je sais pas si toi, ça pourra le faire. Avec Cinder. Allez, c'est parti. Bon. Nouveau niveau. T'as jamais fait ça. Ouais. Bah tu vois, regarde. Toi, tu téléportes-toi si tu veux, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah si tu peux pas voler comme ça. Hop. C'est vraiment le dernier niveau, ouais. Ça. Si on le finit assez rapidement, la vidéo va être un tout petit peu moins... Un petit peu moins long. Ah si, je crois que tu peux voler toi aussi. La vidéo sera peut-être un peu moins longue si on termine le niveau assez vite. Parce que je voudrais faire une nouvelle vidéo, un épisode pour le prochain Spyro 2 quoi. Nouvelle vidéo sur quoi? Bah pour le deuxième Spyro quoi, quand j'aurai peut-être tout seul ou tout ça. Tout seul ou avec toi, ça dépend. Ouais voilà. Ça dépend toi si tu es libre. Bah à un moment tu étais très occupé hein. En ce moment t'étais très occupé. Merde, qu'est-ce que c'est? Ah, bah Dor, t'as un problème? Oh les gars, t'as un problème Bador? Mon jeu a planté. Dans son jeu plutôt. Non, mon jeu marche bien. Bon, je suppose qu'on va faire une petite coupure. Ouais, bon les gars, on va faire une petite coupure parce que Vador a eu un problème. Donc on vous dit à toutes. Je crois que ça a planté. Ah si, allô? Ah. Oui. Je crois que j'ai planté là. Mais là alors, ça remarche? Bah ouais, ça marche. Ah bah j'allais faire une coupure. Allô. T'as fait une coupure là? Bah j'ai failli faire la coupure. J'ai failli faire la coupure. Comment on fait la vidéo? Bah on continue la vidéo alors, si tu es retour à la normale. Bon, alors je pensais pas qu'on allait faire une coupure, je pensais qu'on allait faire une coupure à cause que Vador a un problème, mais on dirait pas. Bon allez, on continue. On continue alors. Quoi? Attends, je peux voler? Non, toi tu peux pas voler. Voler là, regarde. Ouais. Vas-y, fais-le toi pour voir. Ah ouais, t'as débloqué ça? Non, c'est que dans ce niveau. C'est que dans ce niveau tu peux le faire. Faire une porte. Alors, tu es en vidéo là? Oui, on est toujours en vidéo là. Ah, bon bah les gars, du coup, j'ai un peu bugué donc je suis vraiment désolé. Ah. Mais ne vous inquiétez pas, du coup, je suis remis déjà. Ouais. Ah. C'est là-bas. Ah. Ça va toujours Simba? Ouais, oh là là. Ces rames sont vraiment gênants, hein. Mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Aïe. Comment faire pour monter là-haut? Ah là. Moi le presse. Ah oui, c'est... je peux me téléporter. Oh. Je t'ai percuté. Tiens, il y a combien de gemmes? Waouh, 2000. Il y a 2000 gemmes. Coué. Bon après peut-être les gemmes sont énormes, c'est pour ça. Merde. T'es tombé. Bien sûr quand on jouera sur l'émulateur PS3, je le ferai sur mon ordinateur portable. J'ai toujours mon ancien PC. Parce que l'émulateur PS3 ne marche pas sur mon... nouveau PC pour une raison quelconque. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas monter plus haut, comment je peux faire? Ah. Il faut que je trouve un moyen. Parce que puisque je peux pas voler éternellement, voilà, je peux pas monter plus haut. Bon, c'est parti pour la recherche alors. Aïe. Ah ouh, le coffre. Ici le coffre, ouais.
Ah oui, mais la clé, c'est vrai. Quelle nulle. J'ai complètement oublié la clé. Voilà. Ah, ah oui, les avions là. Je suppose qu'il faut que je m'en occupe de cet avion là. La caméra, ce que je fais. Ouais, tu peux tourner. Avant, je pouvais pas, te rappelle-toi. Ouais, tu pouvais pas avant. Ouais. Que j'étais sur PlayStation. Ouais, ça arrive avec PlayStation, ouais. Bon. Pourquoi les joysticks marchaient pas? Ouais. Rappelle, du coup, une fois, on pouvait pas jouer à Black Ops 2. Ouais. Comment je peux le rattraper, lui? Ah, c'est bon, je le rattrape un peu. Ah! Bien sûr, le jeu, tu dois bugger au moment qu'il est proche, hein. C'est pas grave. Tu peux voler maintenant. C'est bon, je l'ai eu. C'est bon, je l'ai eu. Tu peux voler, t'as vu? Ouais. Allô? Ouais, ok, c'est bon. Alors, là, il faut le... Ah, si, là. Hop là. Ça va au coffre, là. Je peux y aller, là. Retenir là. Merde. En ce moment, c'est téléporté. Hein. On a juste porté plusieurs fois là. Ouais, pour éviter de tomber. Ah, si, tu peux voler. Quoi? Si, tu peux voler. Si c'est possible, tu peux voler. C'est cool. Ouais, regarde, je vole. Ah. Ah, la gueule, c'est cool. On s'est rattrapé. Voilà. Je vole! Alors, par où on doit passer? Ah, ça m'amuse. Ah, ça m'amuse ça. Ouais. Peut-être que je dois pas trop faire parce que peut-être ça te saoule. Non, ça me saoule pas. Alors. Mais j'aime bien voler. Oui, il faut que je vole. Maintenant, oui, il faut que j'y aille pour aller plus loin. Déjà, où il y a, ouais. Y a une porte avec une clé quelque part. Ah là, ici. Attends-moi. En plus, j'ai envie de voler. Faut que t'appuies sur Y. J'ai appuyé là, mais ça a pas fait. Ah bah peut-être ça a ramé, c'est pour ça. Ah, une clé là aussi. Ouais. Allez, récupère plus que j'aime. Vas-y, fais-le. Ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Oh, la flamme. Ouais, ouh. Tu m'entends toujours? Je t'entends toujours. Ah, tu me dis si je bug, hein. Ouais, bah t'as bugué là avant. Peut-être voler un. Non. Aouh. C'était pour juste pour une gemme. Ok. Aïe. C'est vraiment embêtant ces rames. T'es où là? Ouais. Explore. Ouais, en fait, en seul, voilà, j'aurais été passé par là. Je serais sûrement passé par là pour chasser l'avion, quoi. Mais on a une nouvelle façon de jouer, quoi. Bon, on retourne au point de départ. Bon. T'as vu comment je vole? Ouais. Ah, là. Tu m'as connu. Ouais. Hop. Tu peux te téléporter, hein. Je vais te voler. Ouais, si tu peux. Ouais. Alors, on peut passer maintenant par là? Ouais, on peut passer par là. J'ai toujours rêvé de voler dans... Qu'est-ce que j'avais toujours rêvé de voler dans les jeux, moi, quand même, des fois? Ah bah voilà. J'ai certains... Mais j'ai... Bah c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jeux de guerre où je vole, quand même, hein. Mais certains, mais pas tous. Bah surtout, ce que je veux, c'est de conduire des vaisseaux. Ouais. Oula! Soit dans un jeu Halo, c'est moi, plein je conduis d'explosifs. Des vaisseaux. Attention! Plein d'explosifs. Oh,
fait des spectacles. Oh là, j'espère qu'on va être bientôt à 200 000. Bah c'est bon. Et voilà. C'est ça. Voilà. Les gemmes, ils étaient énormes. Ah voilà. Faut juste récupérer des gemmes. Ouais. C'est tout, voilà, on a terminé le niveau. Ouais, parce qu'il n'y a pas de dragon ni tout ça. Il y a des gens, des fois, qu'ils aiment pas Spyro. Bah, chacun aime là. Moi, des fois, je fais ça dans les jeux. Je sais que t'adores, alors moi non plus, non, moi j'aime pas trop, mais bon, je joue quand même avec toi pour te faire plaisir. Ouais, des fois, je fais ça dans les jeux, je regarde auto comme ça devant moi, j'espère. Qu'est-ce qu'il fait, Spyro? On dirait Simba quand il se lâche et quand il se met. Bon, on rentre à la maison. Ok, c'est parti, allez, viens. Ouais. Non, je peux pas, moi. Bah, oui, toi, tu peux pas. Bon, bah, du coup, je vais voler en attendant. Ah, une autre cinématique! Ah oui, c'est la secret cinématique. Tu as vaincu Gnasty Gnor. Trouver les œufs de dragon, sauver tous les dragons. Ah, ses lunettes. Trouver tous les trésors du royaume des dragons. Comment te sens-tu? Je suis en feu, Bob! Et je suis content pour le royaume des dragons, bien sûr. Je n'aurais pas voulu passer le reste de mes jours à tomber sur Gnasty Gnor et ses sbires farfelus. C'est quoi un sbire? Oh, oublions ça. Tu sais ce qu'on dit. Pour qu'il y ait un beau combat, il faut un bel adversaire. Et je pense que Gnasty, aussi méchant soit-il, était un bel adversaire. Oh oh. Ah, qu'est-ce que ça rame. Ouais, les cinématiques sont un peu... sont un peu... On retire, continue. Et là, on fait quoi? Bah voilà, c'est terminé. Bah voilà. Donc je suppose que là ça veut dire qu'on a, on va dire, on a terminé le jeu à 120%. Voilà, je crois que c'est bon, on a terminé. Donc on a fini le premier alors. Ouais, c'est ça. De toute façon, on a dit que... On revient du début là. Bah oui, on est retourné dans le premier monde là. Et voilà. Bon, je suppose qu'on va s'arrêter là parce que j'ai dit que normalement c'est juste pour, pour la fin de Spyro 1 quoi. Hein? On va s'arrêter là parce que moi j'ai dit que pour le prochain épisode je le ferai sur Spyro 2 quoi. Ouais mais tu feras tout seul. Ça dépend de toi si tu seras libre. Bon voilà. Bah moi je sais pas mais bon on verra, je te le dirai. Ouais bon voilà. Bon les gars voilà c'est la fin de la vidéo. Donc c'était peut-être beaucoup plus court que d'habitude parce que c'était juste pour la fin de Spyro 1. Et donc on vous dit à la prochaine fois. Adios. Ciao les gars, à la prochaine.